Je dis que c'est le chef d'État pour Prosper Bondo de la faculté de sciences sociales, spécialité relations internationales. Je me dis qu'il y a certainement un gap qui doit être très grand entre la pratique et la théorie. Parce que l'exposé était exceptionnellement simple, compréhensif. Et je me dis pourquoi est-ce que pendant toutes les années passées à la banque, nous n'avons pas senti les résultats, en tout cas très peu. Nous savons que le pays venait de très loin, mais nous n'avons vu que très peu de résultats sur le terrain. Voici mes questions, monsieur le gouverneur. La première, c'est que vous avez beaucoup parlé de banque de demain. De mon point de vue, nous sommes déjà dans les banques d'aujourd'hui. Et nous aurions dû être aussi dans les banques du hier. Pourquoi est-ce que hier et aujourd'hui, on n'a pas fait suffisamment? Je suis là donc à la recherche des causes profondes, à la fois sur le plan politique, économique et j'en passe. Pourquoi on n'a pas fait hier, on n'a pas fait assez hier et aujourd'hui, puisque vous-même, vous êtes beaucoup projeté à l'avenir. Deuxième question, vous avez aussi abordé la question du marché financier. Pourquoi nous n'en avons pas? Un aussi grand pays avec les besoins énormes, pourquoi est-ce que vous êtes beaucoup dans des réformes? Vous avez eu le temps vous-même d'en faire, vous n'en avez pas fait. Et pourquoi un pays comme le Congo peut manquer un marché financier? Beaucoup de pays aujourd'hui, même de petits pays, je ne peux pas citer, pour ne pas faire inutilement la publicité, parce que parfois ça m'énerve quand on cite les petits voisins où apparemment tout va bien et nous là, voilà. Pourquoi est-ce que de petits pays disposent de ce qu'on appelle des fonds d'investissement et leur rating financier, vous comprenez le terme, leur note technique, note souveraine, s'améliore d'année en année. Et au Congo, nous n'avons, j'ai été rapidement chercher, on ne sait pas nous classer dans les classements internationaux par rapport à notre rating financier. Vous êtes le chef de travaux de la faculté des sciences économiques à l'Université libre de Kinshasa. Voici mes questions. Au sujet du système financier de la RDC, pourquoi il y a zéro banque de développement, zéro banque de crédit agricole, zéro société de crédit bail, zéro banque commerciale créée par l'État congolais, zéro banque d'investissement créée par l'État congolais, zéro banque commerciale créée par des privés congolais. Zéro bourse de valeurs mobilières, zéro bourse de matières précieuses, zéro bourse de bois en RDC. L'État n'a jamais songé à créer ces institutions, ni les privés congolais. Et qu'est-ce qu'il doit faire pour vraiment mettre en place un très bon système financier en RDC? Ma question va porter autour des crypto-monnaies. Aujourd'hui, on ne peut pas parler d'économie, de banque, d'entrepreneuriat sans évoquer l'influence des crypto-monnaies, qui est aujourd'hui accélérée d'ailleurs par l'évolution de la technologie. Il faut noter que les banquiers ont une mauvaise opinion des crypto-monnaies et les adeptes des crypto-monnaies traitent les banques d'archaïques et de dépassées. Sachant que les deux systèmes ont chacun des faiblesses et davantage dans l'économie d'un pays. Alors, en tant que régulateur et un des acteurs principaux du système bancaire africain, quel regard jetez-vous sur ce conflit de leadership financier entre les deux systèmes, c'est-à-dire le crypto, les crypto-monnaies et le système bancaire traditionnel, dans l'accompagnement des entrepreneurs africains? Ne pensez-vous pas que les crypto-monnaies vont mettre en mal le rôle d'intermédiation, parce que vous avez parlé de ça, des banques traditionnelles? Aujourd'hui, il y a même des marchés financiers des crypto-monnaies. Alors, vous qui avez été un acteur principal de relance des systèmes bancaires africains, pensez-vous que les crypto-monnaies ne vont pas mettre en mal le rôle d'intermédiation des banques, des systèmes bancaires traditionnels? Merci pour la parole. Merci. Je voudrais savoir comme étant gouverneur de la BCC, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou souhaitez aider à comprendre la faillite de la BIAC?
Massilien pour toutes ces questions. La cinquième question de monsieur de la faculté de droit qui se demandait pourquoi ce que je me suis projeté plus dans la vie. Ça revient un peu à la question, la première question du chef de travaux des relations internationales qui disait la même chose. Je n'ai pas beaucoup parlé d'hier, je n'ai pas beaucoup parlé d'aujourd'hui, parce que c'est l'avenir d'abord qui compte. C'est l'avenir qui compte. Le passé est passé. Il faut comprendre le passé pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, tirer des leçons pour que ce qui était mal fait ou non fait ne se répète plus. C'est comme ça que je voulais insister sur l'avenir, sur la banque de demain. Oui, je peux parler du passé, facilement d'ailleurs. C'est dans la banque, à la tête de la banque centrale, c'est pas peu. Je vais même vous parler de... Avant même que je n'arrive à la banque centrale, mais qu'est-ce que j'ai trouvé à la banque centrale? Les réformes, vous avez vu peu de résultats, ou très peu de résultats, on n'avait pas senti. Là, vous me poussez à faire mon bilan. Mais si je dois revenir en arrière, j'ai trouvé un système financier en 1997 avec 18 banques. Certaines de ces banques étaient déjà en liquidation. J'ai trouvé un système bancaire où les gens ne déposaient pas d'argent en banque. J'ai trouvé un pays où il y avait 4 zones monétaires. 4! Et donc j'explique ces zones monétaires parce que ceux qui sont ici n'ont peut-être pas vécu ces zones monétaires. Comment pouvez-vous diriger un pays? Comment pouvez-vous avoir une politique monétaire si vous avez sur votre sol 80 milliards? Il faut réunifier. Les 4 monnaies différentes étaient lesquelles? L'hyperinflation nous a amené à faire sortir des grosses compétitrices. La plus grosse coupure que ce pays a connue, 5 millions de Zaïre, 5 millions, à cause de l'hyperinflation. Le Zimbabwe, à cause de l'inflation. Hyperinflation plus que chez nous. Une grosse coupure. 14 milliards ou 140 milliards sur une coupure. Il faut changer ça. On veut faire le commerce entre nous, les échanges entre nous, Congolais, entre nous, les différentes provinces, les 11 provinces. Vous avez le grand Kassai qui est en réunion. Monétaire, rébellion monétaire, pour utiliser le Zaïre monnaie, ancien Zaïre monnaie. Ancien Zaïre, ont accepté le franc zaïre comme la seule monnaie que tout le monde a montré. Une monnaie unique, un peuple unique. C'est ça notre sens. On a une réponse. J'en ai été 15 dans ma carrière de construction. Pour remettre de l'ordre, les crises ont protégé les femmes de ceux qui étaient en France. Pour des comptes, nous n'avons pas fait de retard.
mais vous allez le revoir plus tard, même avec intérêt, le temps que nous. Donc, ça, c'est un ami. Le temps que nous est un ami. On n'a pas besoin de l'immobilier. On n'a pas besoin. Au début, on n'a pas besoin. Il faut. Mais quand vous nous faites pour vous rapprocher de la création du marché de l'eau, à mon époque, on a commencé par le secteur de l'eau. Après le secteur de l'eau, on a lancé le référé bien pour les autres de la région. Avec le ministre de l'État, on a mis des ponts de cesse. On a permis au trésor de lancer ces ponts du trésor. Donc le trésor, on a mis ce bilan avec la banque. Parce que la provenance du trésor, la provenance du trésor, c'est bien. Le fait qu'on ait un taux de change sur le temps, et non pas un taux de change administré comme on le pense, ça permet à qui de déterminer la valeur à prendre par rapport au dollar. Ça, ce sont des avancées pour la création du monde d'un marché financier. Parce que le marché financier va être utilisé. On a fait le pont, que ce soit bon de trésor, bon de société, un parti ou une action une un parti. Un parti. Donc, un parti. Il y a pas mal de choses qui ont été faites pour que le maire de l'homme, nous puissions aider. Nous avons fait le budget sur le marché de l'économie. Il n'est pas difficile à dire. Qu'est-ce qui prend du temps? C'est la formation de ceux qui vont utiliser le marché de l'économie. À l'époque, l'idée de pression de l'économie de l'économie, avec les ressources de matière première, qui se trouve l'armée, la série, et par contre, c'est du temps. À ce dépense, une banque pour les matières et une banque pour les matières précieuses, matières rouges. Pour le départ, si vous n'avez pas les acteurs qui servent de la police, vous n'avez pas la capacité de comprendre par vous de la police. Vous n'avez pas les bien là, mais vous avez les acteurs. On verra comment c'est financé. Ça fait dommage. Maintenant, et là je vais prendre ici, pour faire des travaux de la famille de l'économie de l'économie, par rapport à la matière de l'économie. Zéro de l'économie. Quand vous avez l'économie, c'est ici. Vous avez vu dans son plan, le temps de la couleur, à détailler, à se trouver par une grande société financière de l'économie. Tous les actionnaires de l'économie étaient pratiquement plus confiants. La banque centrale avait acheté les actions de ces actionnaires de l'économie. Permettre d'avoir un contrôle sur la société. Et quand la Banque centrale a acheté les actions de banques étrangères et d'institutions étrangères, elle a vendu ces actions à l'État pour que la société soit une société financière à part entière complète. Zéro crédibilité. Toutes les études ont été faites
l'université, donc il y a une société, une banque qui vient et qui vous propose Dieu. Nous, nous pouvons acheter, nous pouvons donner les moyens d'avoir une échelle de l'antique. Sorry.
C'est parce que vous bien. Thank you.
même temps que l'État, le gouvernement, qui est en train de se faire demain, après-demain, il y a une modernisation de notre gouvernement et de notre gouvernement. La crise de la République, on vient de prendre ces allemands pour délocaliser. Thank you.